Bonjour les amis, bienvenue à Montreux et beaucoup de neige. En fait, aujourd'hui, moi et Anton, nous, on va à Monaco. Et en fait, Anton, il a bien préparé toutes les matos et tout est là. C'est bien, on a décidé à prendre la X6 et pas la McLaren. En fait, je sais pas comment on va tout mettre ici. On a un deuxième problème, il y a trop de neige dans les montagnes, mais on a des pneus hiver et je crois on va réussir. Je sais pas, on va prendre vous avec nous pour cette petite voyage. Et aussi, on va discuter une petite chose, combien ça coûte à rouler de Suisse jusqu'à Monaco avec toutes les péages, machin, d'essence, diesel. On verra dans quelques heures, peut-être 5 ou 6 heures. Et en fait, nous, on va à Monaco pour faire quelques tournages là-bas. Beaucoup de content pour vous bientôt. En fait, j'ai mon sac déjà. Moi, j'ai que une sac. Anton, il a 250. Si les douanes vont nous arrêter, ils vont poser beaucoup de questions. Est-ce que vous faites ça professionnel ou pas? Non, c'est pas professionnel, non, pas du tout. Ça, ça vient du Chine. Ah, et ça, il faut qu'on aille à la poste. Ça vient du Chine ou pas? Non, non, non. Ah, ça va repartir en Chine, oui. Je viens de recevoir une boîte de Chine et moi, Axel m'a envoyé une vidéo là, regarde. Ça, c'est une coulisse chez moi. Ça va. Pendant 7 heures. Ça va. Pas pendant 7 heures, Michel. Ça va. Non mais ça va. Il n'y a plus de pneus dans une heure. Et on peut vivre avec ça pour une heure. Ça va. J'ai ça déjà depuis quoi? 6 mois? Un an, Michel. Ah, un an. Ça fait un an, Michel. Salut, service BMW. Encore. 100 km, moi je suis déjà fatigué. Diesel Tech Cruise. Alors c'est cool parce que nous sommes vides, comme ça on peut vraiment faire notre voyage de zéro. On va voir combien on va payer maintenant pour descendre. Alors là c'est le prix suisse, 1,740. Je trouve que c'est pas mal en fait, en Italie on va payer plus cher je crois. Quoi, il y a de neige? Non les gars, dans une heure ça va tomber, je sais pas comment on va monter. Parce que nous en fait on va passer par le tunnel de Saint-Bernard. Et là il y a de petits virages et s'il y a beaucoup de neige ça va être cool parce que je peux faire 100 ESP, ça peut être cool. Tu as combien de litres? Trop. Normalement, 120 francs. C'est 86 litres. J'en fous de litres, je regarde le prix. Ah ouais la X6 c'est pas mal. 86 litres, ça va être 86. 8, non. 75, alors 75 litres. Ça veut dire que tu avais 10 litres dans le réservoir. 130 francs, première coûte de notre voyage. Et après, on va ajouter un peu de bouffe, boisson. Alors 130 plus encore 20 francs. Alors, premier coût de voyage, 150 francs. Déjà, on a fait 20 km, on a déjà dépensé 150 francs. Les amis, on fait un grand progrès, on a déjà roulé quoi 10 km, on a arrêté à McDo, déjà. Mais en fait, je viens de regarder les webcams de le tunnel Saint-Bernard. Regarde. Ah ouais, c'est blanc, hein. C'est très très blanc. Ah ouais, c'est blanc. Ça va être très très cool pour le vlog, les gars, aujourd'hui. Ça, c'est de continuer, parce que même moi, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est bien qu'on n'a pas pris la McLaren, hein. Imagine, avec la ça avec la McLaren. Pneu d'été. Nous sommes juste quoi, à côté Verbier. 30 minutes jusqu'à Verbier, mais nous en fait on va monter plus haut jusqu'à le tunnel. Là on voyait un peu d'asphalte encore, mais je pense dans 30 minutes on va voir plus d'asphalte, juste de neige. C'est cool, j'adore. Vraiment, c'est la première journée de l'année où on a vraiment de neige sérieuse, température au moins 0,5. C'est top. Et le
seul truc que je peux imaginer dans ma tête maintenant, c'est le rallye WRC. Vous savez, quand il passe à 200 km par heure dans un virage sur une neige, c'est le seul truc que je peux imaginer dans ma tête maintenant. Imaginez tous ces virages là. Mais non, il faut arrêter à le nettoyer! Parce que nous sommes les seules voitures ici. Parce que nous, on doit aller à Monaco aujourd'hui. C'est les miens. Prends la clé, prends la clé, prends la clé. Ouais, mais c'est on la voiture. Elle, si elle ferme. Allez, vas-y, on prend une photo et on se casse. Si c'est bon, toi t'es plomb, mec. Là. Viens là. Vas-y. On a fait quelques photos juste dehors, alors c'est moins 7,5 degrés. C'est quelque chose de ouf. Maintenant on va bientôt arriver à Tunnel. Surprise, c'est encore ouvert, j'espère que c'est encore ouvert, sinon on doit attendre ici quelques heures, mais ça va, on a un peu de bouffe qu'il en a acheté. Mais regarde, il y a même de neige dans le tunnel. Purée. Regarde. Alors, les gars, 31 francs, alors 26 euros, non, non, alors 31 francs. Ça c'est une seule passage. Alors, mais tu sais que ça était moins cher de prendre aller-retour, c'est 50 francs aller-retour. Oui, mais je sais pas si on va prendre le même route après. Combien 15 minutes dans cette tunnel, vitesse maximum 80 km par heure. C'est pour ça que je préfère cette tunnel là, parce que le tunnel de Mont Blanc c'est plus long et après la limite c'est 70 km par heure. Et je crois que c'est aussi plus. Non, celle-là est plus chère. C'est lequel le plus cher? Mont Blanc. Bah alors les gars, une petite pub pour cette tunnel, il faut prendre cette tunnel là. Et après on va arriver à l'Italie et on va voir comment on va faire notre descente, s'il y a la même quantité de neige ou les Italiens sont mieux avec son nettoyage. Drôle, non? On est en Italie hein? Ouais, nous sommes en Italie, mais c'est pas mieux la météo là, regarde. Moins 5 degrés. Ouais, c'est plus chaud. Dahlia. Dahlia. Nous sommes en train de descendre à Aoste vers l'autoroute direction Genoa. On a plus de lave-glace. Toujours le bruit. Alors on a de lave-glace, mais je crois que c'est moins 6 degrés dehors et tout gelé. Ouais. Ouais. Il n'y a rien. C'est bon. J'ai encore un peu de visibilité. Télépasse. Ah ouais, moi je vois que dalle parce que j'ai plus de liquide. Lave-glace. Et ça marche pour France et Italie? Et Espagne et Portugal. Ah. Et ensuite on a une petite vignette papier, 40 balles. Depuis combien de ans existe le vignette en Suisse? Les gars, réponds-moi dans les commentaires. Parce que je crois que c'est vraiment un moment. Punto blu, nous chioso per motive tecniche. Ne comprendre. Ok, je fais comment? Ouais, comme ça. Ah, ça marche? Non, mais pas pour nous, c'est marché pour lui. Attends. Non, mais. Vas-y, continue. Mais ça va, continue, ça va me continue. Casser. Ça va me casser. Non, continue. Ça va pas bipé la deuxième fois? Hein? Non, ça va pas bipé la deuxième fois. Attends, j'ai une petite idée. Qu'est-ce que tu veux?
Ah ouais. La place. Ouais, pourquoi pas. Ou la... Ouais. Ou... Oui, ou la 600 LT, t'as aussi disponible ou pas? Et pas dispo. Bah, on prend la 720. Parfait, magnifique. Merci, merci pour l'option. En fait. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Bah. Alors, non, je vous explique pourquoi nous sommes en route à Monaco. C'est quoi le raison? La raison, parce que nous devions tester la McLaren GT. Mais quand vous avez attendu maintenant sur le téléphone, McLaren vient de m'appeler et il nous dit que la McLaren GT est vendue. Bonne nouvelle pour McLaren, il a vendu encore une McLaren GT. Pas bonne nouvelle pour nous parce qu'il n'y a pas de McLaren à filmer, mais en fait, il nous donne une 720S. Je crois que c'est l'orange, c'est une spec vraiment incroyable. J'ai déjà vu il y a quelques mois. C'est ça, les gars. On va faire une jolie vidéo avec une 720S. Merci McLaren Monaco, Christophe, pour trouver une deuxième solution pour nous. Parce qu'en fait, nous sommes en route. À Monaco pour faire cette vidéo. À minimum, on a une vue sur mer. Ça, c'est bien, on peut vraiment profiter. Ça, c'est des bonnes choses. Et les nouvelles un peu plus mauvaises, nous sommes dans un grand bouchon. Aucune idée pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas un énorme accident avec 200 policiers, machin, neige. Tout prêt! C'est pas mal en maths. Vous pensez quoi les gars? De la Supra. En fait c'est la première fois que je vois une Supra sur les routes. En fait c'est la première jolie voiture aujourd'hui pendant tout notre voyage. C'est pas mal cette Supra en petite matte. Matte gris, j'adore. Bah j'adore toutes les voitures en matte gris. Toujours en bouchon. Va marcher ou pas? Je fais comment? Là, une fois. Ouais. Attends, deuxième fois. Vas-y, continue. Roule. Oh, mais c'était ouvert. Voilà. Kching. Combien on a payé? Je pense qu'on a payé 42, 45 euros. C'est la même chose. Ouais. Ok, bah les gars, on ajoute encore 45 balles pour le péage. Et en fait, on a arrêté encore une fois avant, on n'a pas filmé. On a acheté 2-3 trucs et j'ai payé 15 euros encore. On va tout ajouter après. Honnêtement, un peu fatigué quand même. C'est quoi, 19h20? On a encore 20 minutes de route. On va arriver à Monaco, décharger la voiture et bien dormir aujourd'hui. Parce que demain, en fait, je pense quoi, on va tourner quelque chose, on va essayer à filmer une vlog pour vous, je sais pas quoi exactement, on va improviser un peu. Après vendredi, c'est un grand jour pour nous, grand tournage de la McLaren 720S Spider dans une spec Chico Bello. Et samedi, je sais pas, peut-être on va aussi faire une petite vidéo où on va faire notre route à Genève. Fatigué, mais à Monaco. Rien plus à dire, nous sommes là, sécurisés, il faut vraiment nettoyer la voiture parce qu'il y a un peu trop de sale, c'est tout blanc. Je veux dire au revoir, ici,
C'était aussi un peu de vlog, comme vous avez dit dans les commentaires au-dessus de la dernière vidéo. Un peu style life, vraiment deux choses on fait, on roule à Monaco. J'ai pris vous avec nous sur cette petite voyage, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas s'il vous plaît les gars, mettre un petit like, laisser une petite commentaire à nous. Et on va filmer beaucoup de choses pour vous ici à Monaco. Merci beaucoup et à prochain vlog. Ciao.